Et autre sujet, la bière, la Raoul, pour se faire plaisir, mais bien sûr avec modération. Les enfants de Raoul de Godswarveld ont lancé une bière en hommage à leur défunt père qui est décédé en 1977. Ce chanteur qui a aussi un géant à son effigie dans la ville de Lille et qui est aujourd'hui donc le symbole de cette boisson, une façon de se souvenir de cette grande figure populaire du Nord qui a de nombreuses chansons à son répertoire. Je vous propose d'écouter donc le témoignage de ses enfants qui nous en disent plus sur cette bière. La bière, c'est un renouveau. Hein. Elle a existé mais il y a quelques années et pas du tout dans cette recette. Donc là, c'est une nouvelle bière. C'est une bière de garde, mais ça, Jean-François va pouvoir vous en parler plus précisément. C'est une bière blonde et Raoul, parce que Raoul est devenu emblématique dans la région. Il a disparu il y a dans pas loin de 40 ans, mais en fait, il est géant. Sa musique fonctionne toujours dans les banques, les noces, les banquets, les mariages, les communions. Et que c'est devenu incontournable et ça fait partie du patrimoine. Alors, les impressions. Beaucoup de goût. C'est une bière typique du Nord qui est très fruitée, avec les épices notamment. Ça donne beaucoup de goût à la bière. Un côté très aromatique.